sport est un milieu particulièrement sexiste. Si on compare les statistiques, il est beaucoup plus que la politique, beaucoup plus que le monde de l'entreprise. Donc on est vraiment très isolé. Et du coup, la parole est beaucoup plus libérée dans le monde, la parole machiste est beaucoup plus libérée dans le monde sportif. Et en plus, on y rajoute une caractéristique supplémentaire, c'est que c'est un milieu où la culture est extrêmement violente, qu'elle soit langagière ou qu'elle soit corporelle. Il y a des contacts physiques d'abord dans certains sports, donc voilà, nous on aime bien ça, mais aussi au niveau du langage. Donc quand la parole, comme la parole machiste est libérée, ouais, ça donne des insultes parfois qui font effectivement très très mal. J'en cite dans mon livre le nombre de fois qu'on nous a cité, voilà, on nous appelle les vagins et tout. J'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, il y a des choses qui se passent. Voilà, cet arbitre international de hockey sur glace qui se fait mettre une main aux fesses en plein match alors qu'elle arbitre, pas un joueur. Et les arbitres hommes à côté d'elle lui disent bah, écoute, débrouille-toi, hein, c'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà, vous avez des milliers de spectateurs autour, mais ça dérange personne. Mais il faut transmettre ces choses-là aux jeunes générations parce que ces 20-30 dernières années, j'ai le sentiment que nous, les femmes et les hommes qui sont à nos côtés, on a laissé un peu tomber le combat en croyant que c'était fini, qu'on n'avait plus rien, qu'on avait gagné tous nos droits. Non, non, pas loin de là, loin de là. Voilà, on est toujours dans ce combat perpétuel et la question du corps, elle est centrale. Le jour où on ne se posera plus la question de savoir si ce que je fais va me rendre plus ou moins féminine, est-ce que je resterai encore une femme ou pas, bref, ça ouvrira très certainement le champ des possibles à toutes les femmes.